Vous tombez bien. J'étais pas sûre de vous revoir. Faut croire que vous êtes plein de surprises. Ce minable s'occupait de la sécurité au chalet. Heureusement pour nous, il était pas fait pour ce boulot. Il a terminé dans ma petite piscine. Apparemment, cet endroit est utilisé pour former les élus. Si vous les avez vus à l'action, vous avez deviné qu'ils sont impitoyables. Vous savez... Monsieur, ne pointez pas votre arme sur moi. Toujours sans prévenir ? Bon, voilà le topo. Apparemment, cet endroit est utilisé pour former les élus. Si vous les avez vus à l'action, vous avez deviné qu'ils sont impitoyables. Vous savez ce que Jacob leur filait comme cible à l'entraînement ? Des êtres vivants. Comme ça, terminez les scrupules. Ces enfoirés en ont rien à foutre de ceux qui ne sont pas dans leur secte. C'est une meute de chiens enragés. On doit les éliminer. Alors vous allez vous rendre au chalet. Vous allez tuer tous les élus que vous verrez. Et vous allez farcir le bâtiment d'explosifs. Et ensuite, on regardera ce trou à rats se transformer en tas de cendres. Ouais, on va faire ça, Michette. Ça oui, 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 oui. Avis d'expulsion, let's fucking go. Eh bien, salut à toutes et à tous, l'aime compagnie, il est 19h. J'espère que vous allez tous très bien, les amis. Pour ma part, écoutez, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve pour un épisode absolument incroyable. Ellie vous a peut-être à la bonne, mais c'est pas encore mon cas. C'est incroyable ce qui va se passer. On va fumer tout le monde sans aucun scrupule. Et sans aucun... Voilà, là le but c'est d'être bourrin quoi. Tout simplement, vous l'aurez compris, n'oubliez pas le like. Nouvel épisode donc incroyable de Far Cry 5. C'est le 6ème, on va où là? On va pas là hein. On va plus loin, on va ici. Donc, au chalet Stone Ridge. Il y a une autre mission juste au-dessus. Mais non, c'est le convoi armé. Ah mais on est déjà passé par là. Non, j'avais cru. J'ai confondu avec la cascade d'eau qui doit être... Bref, je suis perdu. Allez, on y va. On peut peut-être se téléporter rapidement plus proche parce que bon, c'est pas tout ça. Mais voilà, on va se téléporter au chalet des Kestrels déjà pour aller un petit peu plus vite. Et puis on est parti. On est parti tout simplement. Voilà, quand il ouvrit le deuxième seau, j'entendis le deuxième être vivant. Voilà, j'ai pas eu le temps de lire ces belles paroles. Ah bah c'est là où on a commencé la course-poursuite dans le dernier épisode. Franchement, course-poursuite absolument incroyable. Hey Boomer, comment ça va? Bah par contre on n'a pas de voiture. Mais on a des trucs sur le chemin. Donc on va en profiter sur le chemin pour se faire plaisir. Oh non. Ouais mais je vais me faire cramer là. Voilà. Au moins eux ils m'auront pas entendu. Par contre je vais quand même récupérer mon bien hein. Voilà, peau de moufette, peau de loup. Alors, attendez, on va s'amuser là, il y a un petit camp là. C'est sympa. C'est sympa. Du coup, ce qui va se passer. Ah, il y a une otage par contre, faisons pas les débiles. Voilà. Mort. Dommage. Vas-y, attaque. Ah, c'est bien. T'es bon toi, t'es bon. Allez madame. Mais non. Oh c'est horrible ce jeu. Allez. Heureusement que t'es là. Ah oui. Ils emmènent les loups qu'ils capturent au Elfjo Lodge. C'est là qu'ils font là. Je coule ta vie. Moi je veux juste piller, voilà. Ok, ça c'est fait, on aura fait notre bonne action. On aura fait notre BA comme on dit, hein, dans le jargon. Oh regardez, j'ai aussi des balles. Perforante, c'est bon ça. Bon, on va rester sur les calibres normaux. Cool. Cool, cool, cool. Allez, c'est à 500 mètres. On n'a pas de véhicule motorisé malheureusement, mais au moins on se balade. Oh, l'hélicoptère, il est pénible. Hein. L'hélicoptère, il est pénible. Écoutez, on va passer par là. Hein. On va passer par là. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Si je dis pas de bêtises. Alors attendez. Le premier épisode est sorti jeudi. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Ah non, du coup on est mardi aujourd'hui. Ah mince. Parce que je me suis dit, le week-end, je vais essayer de vous sortir les épisodes plus longs. Mais bon, au final, bah c'est plus le week-end. Donc voilà. Oh. Non mais ça, je veux ça moi là, non? D'accord. Ah merde. Mais c'est une tombe. Attends, on peut creuser? Non, que dalle. Non mais je sais pas, hein, sur un malentendu. Qu'est-ce qu'on a là à part des... Oh, trop mimes. Comment on fait pour reconnaître les prédateurs
Interface. Oh waouh. Je savais même pas qu'on pouvait enlever l'interface, c'est formidable. Bon, les animaux gentils ils sont notés avec le petit V. Mais j'ai l'impression qu'il est prédateur aussi, alors. Alors toi par contre. Ah, dommage. Je pensais qu'il prendrait ma route. Sois un peu plus discret, Boomer. Sois un peu plus discret. Qu'est-ce qu'on a là aussi? Très bien. Un petit pont, ben on va franchir ce pont. Un petit pont, pont, pont qui va s'effondrer sous les. Yep. Waouh. Là tu te mets comme ça, t'enlèves l'interface. Oh. On est sur GTA 5. What? J'ai entendu un coup de feu là. Et on va peut-être se détendre hein, les enfants, non? Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Eh, j'ai l'impression qu'on croise pas beaucoup d'avant-postes en vrai hein. Enfin, le seul du coup qu'on a vu, on peut pas encore le faire, mais... Ah bah si, on va pouvoir faire l'avant-poste bientôt d'ailleurs. Ah bah si, c'est un avant-poste ça, non? Non, ce n'est pas un avant-poste. Mais par contre, ouais, très prochainement, on va pouvoir, je vous remontre, on va pouvoir faire l'avant-poste bah, qui est juste ici, hein, la station radar. On va pouvoir la faire puisque parce que maintenant, ça y est, on commence à être équipé convenablement. Allez! Ah, c'est montagneux, hein, y a pas mal de détours. C'est beau la montagne quand même. Moi j'ai envie de dire la montagne. Il y a des hélicos dans le secteur. C'est une vraie forteresse cet endroit. La montagne, ça vous gagne. Ah bah c'est un avant-poste. Tu es l'élu. Je suis l'élu? Ah non, tu es l'élu. Ok. Ah. Il lui arrive. Ah, c'est un camp d'entraînement. Regardez, il fait son entraînement. C'est trop stylé. Oh merde. Bah. Y'a pas un mec là? D'accord. Vous pensez que j'arrive à l'avoir lui ou pas? Oh. Oh, il était beau. Hein. Oh, elle était belle. Hein. Oh, elle était belle. Ah, je me suis... Je me suis agréablement surpris quand même. Hein. Ok. Ok. Oh merde. Alors attendez. Voilà. C'est lui que je dois tuer. Est-ce que vous pensez que c'est scripté et que je vais pas l'avoir? Attends, j'essaye hein. Oh, c'est bon ça. Personne n'a rien vu en plus. Bah voilà, c'est fait. On dirait que vous les avez eus. Posez les charges et déclenchez le feu d'artifice. Ok, bah maintenant je peux faire comme je veux. C'est pour les entraîner. Je suis un amour. Ils ont besoin d'entraînement les loulous. Alors je vais les entraîner, vous allez voir. Allez go. Go go Power Rangers. Oh je vais poser des explosifs hein. On va pas se prendre le chou hein. Allez. Allez, allez. America. Ok. Hop. Et 2-1. Hop. Hop. Je suis censé rentrer où là? Oh non, je suis dans la merde. Oh putain. C'est quoi cette histoire? Mais je suis censé poser mes explosifs où? Non mais là c'est débile. Comment je descends là? Je ne sais pas. Ah voilà. Oh là l'enfer. Tout ça pour ça quoi. Alors que j'aurais pu poser ça n'importe où hein. Allez salut. Allez salut bande de nulos. Boomer, tu vas t'en sortir. 4 3
2, 1, bonne année! Ouais! Je vais te sauver, Boomer! Je vais te sauver, Boomer. Personne ne revient du fauteuil de Jacob sans Je vais te sauver, Boomer, tiens le coup. De mes yeux, on entre comme on était. Attends, hein. Et on revient différent. Attends, bouge pas. Oh merde, ça c'est gênant ça. De toute façon, il y a encore beaucoup de choses à faire, on vous Ça c'est gênant. Voilà. Allez. Ça dégage. Merci, oh, par contre, la propulsion du feu là, la propagation du feu, c'est incroyable. Incredible ce début d'épisode. Ah, vide expulsion terminée. L'hôtel m'a raconté sa vie, j'ai même pas écouté, je vais pas vous mentir. Jacob a envoyé les élus à vos trousses. Oh non. Certains Wildstar, ils avaient des doutes quand vous nous avez rejoints. Mais c'est plus le cas. Et c'est pas moi qui les ai convaincus. C'est ce que vous avez fait. Les actes valent bien plus que les mots. Les gens se précipitent chez nous pour rejoindre les Wildstar. Vous leur redonnez espoir. Ça faisait un moment qu'on attendait ça, officier. Un bon moment. Alors attendez, parce que là, il y a beaucoup trop d'infos. Là, je vais me faire enlever encore, là. Je vais encore me faire enlever, là. Oh, je me barre. Oh, je peux pas prendre l'hélicoptère. Oh non. Oh non, les avions. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Ils sont à mes trousses là, hein. Oh là là. Oh là là, mon pote, on va se faire enlever, on va rien comprendre. Par contre, on se fait enlever à chaque épisode. Et ça, c'est terrible. Il est passé où? Oh, c'est beau. Bon, il y a des hélicoptères en face de moi, c'est ça qu'on voit. Mais détruisez les hélicoptères de Jacob. Bah attendez, du coup j'ai un lance-roquette sur WAM là. Ouais. Avec deux lanceurs. Non mais frère. Ah ouais. C'est chaud de night. C'est chaud de night. Il va pas me lâcher la grappe. Ah oui, il revient en plus. Tu me trouveras pas. Quelle idée de me traquer avec un avion. Viens Boomer, on se barre. Bon, ça c'est gentil. Alors comment je vais faire pour détruire les hélicoptères là? J'aimerais bien essayer. Avec le lance-roquette, je suis pas sûr que ça va vraiment fonctionner. Oh non. Là on va jamais s'en sortir, hein. On va jamais s'en sortir. Ok, c'est bon. Attends, on débloque un nouvel endroit. Ok, des poissons encore. Allez, débloque-moi le truc. Ah oui, il faut que je saute. Ah, c'est incroyable. Ombre. Omble à tête plate. D'accord. Très bien. Bon, moi le problème c'est que je suis dans un délire. C'est-à-dire que j'aimerais attaquer le convoi, mais ça va juste pas être possible. Attendez, si j'ai un véhicule là. Ça va me permettre de les rattraper. Éventuellement. Je vais passer par où lui là? Il est malade. Moi je passe par là, hein. Allez. Ah. Je suis peut-être un peu enflammé dans mon idée. Eh hey, on essaye. C'est l'aventure. Voilà, regardez. C'est pour faire de la randonnée. Un petit chemin de randonnée, c'est parfait ça. Je me suis peut-être trompé d'endroit là. Allez. Oh, le truc de merde. Ah bah c'était pas par là. Mais c'est pas grave. Ça marche aussi. J'ai rejoint le chemin. Ah ouais, non mais là j'ai pas utilisé le grappin là. Oh, et c'est incontrôlable. Vous me croyez ou pas? Ok, par ici. Bon, on va suivre le chemin. On va rattraper les hélicos. Et on va essayer là au point où on en est, c'est complètement con. On va se taper ici les gars, parce qu'ils vont venir sur nous. Non, c'est complètement con ce que je suis en train de faire. Je m'en suis rendu compte, je suis navré. Fallait essayer. Il est beau quand même ce plan là à chaque fois. Tu pensais être libre?
Jacob Seed. Voilà, et là si on regarde. Si on regarde. Eh ben, y a plus. Il a disparu. Bon, eh, est-ce que ce serait pas le moment de se faire la station radar? Moi je pense que si. Moi je pense que si. Mais en même temps il me faut des bonnes armes là. Il me faut des bonnes armes. Parce que j'ai pas mon sniper là, j'ai un lance-roquette. Bon, on va jamais s'en sortir les amis hein. C'est donc ça le paradis. On va jamais s'en sortir. Allez, on va prendre notre sniper. L'effondrement est proche et cette fois-ci l'intérêt de certains. Merde. Bon, c'est où là le shop là? C'est là-bas au fond bien sûr. Je peux vous parler? Non, non. T'attendras. Hein. Alors, monsieur, il me faut des armes. Là, sniper. Hop, hop. Magnifique. On est tout bon, silencieux. Bon, ensuite, mon arme que j'ai là. Je peux lui mettre un petit silencieux ou pas? Non, d'accord. Très bien. Bon, mais ça fera l'affaire le silencieux sur le. Le silencieux sur le sniper, ça fera l'affaire. Oh, attendez, j'ai 7 points de compétence. J'ai 7 points de compétence, alors voyons voir. Bon, la pêche, j'en ai rien à péter. Chalumeau, on s'en fiche pour le moment. Marché noir, on s'en fout. Là, votre santé maximale augmente de 200%. Ça, ça me plaît. Et il faut les 7 points. Alors attendons. Le wingsuit, bien sûr. Là, j'en ai pas besoin pour le moment. Mais on va peut-être focus la santé d'abord. Y a énormément d'atouts hein, en vrai. Hein. Y a énormément de choses. Hein. Destructeur, c'est quoi retour à l'envoyeur? Vous pouvez renvoyer les projectiles comme les grenades. Ok. Vous faites moins de bruit lorsque vous marchez, courez et atterrissez. On verra ça plus tard. On va augmenter notre santé parce que là ça va être bourrin. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et là du coup on va aller se rendre voilà, à l'avant-poste ici. Très bien. On va y aller en hélicoptère là. Salut. Ah, salut mon grand. Salut. Bah alors, oh, tu oh bichette. Trop mignon. Allez, on va aller du coup à l'avant-poste. On va se faire cet avant-poste. Ça va être absolument incroyable. On va enfin réussir quelque chose, bordel. Parce que là, évidemment, les coups de sniper sur les alarmes. Et puis après le reste, peu importe de comment ça va se passer. On s'en fout, il n'y aura pas de renfort. Et ça, c'est l'essentiel. Allez, hélicoptère. N'oubliez pas le like, je compte sur vous pour m'encourager. Je vais avoir besoin d'un maximum de ce fort. Comme on dit dans le verlan, de la force, bien sûr. C'est parti, mon kiki. Ça se passe par ici. Je sais pas où je vais. Mais dans mes souvenirs, c'est par là-bas. Si on... Bah, il y a de la fumée, de toute façon. Hein. C'est pas compliqué. Voilà, il suffit d'aller à la fumée. Ah, il y a le convoi hélicoptère là-bas. Bon, tant pis. Fallait se réveiller plus tard, plus tôt. What? Qui c'est qui m'a vu? Qui c'est qui m'a vu? Moi j'ai vu personne hein. Me dis pas qu'il y a encore l'avion qui me cherche. Je ne sais pas. Bref, l'avant-poste il est là. Alors on va évidemment pas atterrir sur leur piste hein, pour des raisons un peu évidentes. Hop. Voilà, on va se mettre là. Oh là là, l'atterrissage, regardez-moi ça. Eh hey. Pas mal, hein. C'est pas mal. Bon. Parlons peu, parlons bien. Sur cette belle musique. Alors, on va se mettre là. On en parle que j'ai failli me faire cramer déjà là. C'est quoi ça? Je sais pas. Bon, il y a une alarme derrière là. Et une alarme devant là. Ça va être terrible. Et en plus le soleil se couche. Alors eux ils vont me voir de la même façon. Mais moi je vais moins bien les voir. C'est absolument formidable. Et là vous voyez la différence avec Far Cry 4 où je faisais le malin. C'est que sur Far Cry 4, t'avais facilement des points en hauteur. Ce qui fait que t'avais tout en visée. Sauf que là, y'a pas de points en hauteur, y'a pas de montagne autour. Là par exemple. Oh mes frères, ça me gonfle. Oh ça me gonfle.
Comment ça? Ah oh, mes frères, c'est abusé. Ça, franchement, ça me gonfle. Hein. Vas-y, on va TP, on va annuler, on va faire comme si c'est rien passé. Mais putain, c'est Boomer, il a tout cramé quoi. En fait, le chien, il crame. Mais c'est bien fait hein, en soi, hein, je dis pas. Hein. Boomer, tu dégages. Je veux plus te voir. Parce qu'en fait, comme il y a un chien, bah du coup le chien, il va attaquer l'autre chien quoi. Bon bref. Comment je l'enlève là? Tu dégages. Je vais plus te voir. Putain, c'est pas vrai, hein. On va jamais y arriver cet avant-poste à la con, hein. Comment je peux faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah là là, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Mais là, je me suis fait cramer alors qu'on m'a même pas vu, ça me rend ouf. Bah là, de toute façon, ça va être l'heure de vérité, hein. Ah ok. On va voir hein, parce que si là c'est. Si ça refait pareil et que je me fais cramer alors qu'ils m'ont pas vu, là par contre on va avoir un sérieux problème. Mais je pense que c'est Boomer qui a fait tout capote. Oh, l'hélicoptère c'est quand même formidable. Allez. Un petit silencieux sur le pistolet, j'aurais pas dit non quand même. La société moderne, ce grand empire qui laisse le monde exsangue. C'est une maladie. Bon. Un cancer qui aspire. Eh mais remarque, je crois que je suis du bon côté pour avoir toutes les alarmes. La vie de cette planète. Et nous devons la guérir. Nous devons redevenir ce que nous étions à l'origine. Des guerriers. Là j'ai une alarme. Et là j'ai la deuxième alarme. Il y a moyen que je puisse aligner les étoiles. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Là je peux pas l'atteindre l'alarme là. Mais celle-là je peux. Ah ouais. Je peux même pas dire, attendez. Je vais trouver une solution, hein, vous inquiétez pas. Normalement, c'est bien fait. Normalement, je peux. Peut-être là. Ah oui. Ok, c'est bon. Ah, mais le problème, c'est qu'il faut vite que j'enchaîne, quoi. Ah ouais, ça va être. Ça va être très très chaud, hein. Bon, de toute façon, dans tous les cas, on a foiré la mission je ne sais combien de fois, donc on n'est pas à ça près. Et de une. Et de deux. Bon. Wesh. Wesh. Prévenez, non? Eh, c'est très... C'est pas facile, hein. Ah. Ok. Je me chie dessus, c'est bon. Allez, on est lancé. J'ai les clés. Putain, on voit rien en plus de nuit. Hein. Ok. Il est où le mec qui tire le mortier là? Hein?
fait. Bon, on est vraiment pas prêt, hein. On est vraiment pas prêt, les amis. Oh là là, c'est dur. Ah mais je comprends les gens qui sont déçus par Far Cry 6 après avoir joué à Far Cry 5, parce que ça n'a rien à voir les avant-postes, hein. Ah ouais, c'est chaud. Ah non, franchement, c'est chaud. Et en plus, entre le l'animal enragé, frère... Le pêcheur est en bas. Le cerveau humain est fascinant. Dès que tu commences à expérimenter... Ok. C'est fou ce que tu peux l'obliger à faire dans des circonstances adéquates. Ok. What? Tu as déjà entendu parler du conditionnement classique. C'est lorsqu'un stimulus conditionnel, disons une chanson, déclenche une réponse automatique. Dans le cas présent, s'entraîner. C'est à nous maintenant. Tuer. Merci du coup de main. Sacrifier. Ouais. Bon d'accord, bon, au moins ça c'est fait, qu'est-ce que tu veux toi? C'est toi. Les tarés ont quasiment tout réduit en cendres. Ouais. Même la baraque de Tchad est partie en fumée. Il vit caché dans les bois en essayant de nous trouver de la viande. On devrait vérifier qu'il va bien. Chad. Très bien, bon, les petites missions secondaires. Ok, bon, et on aura réussi cet avant-poste, bordel, hein. Pas facile, hein. Pas facile du tout. En plus, on gagne même pas des points de compétence en faisant ça, c'est dingue. On va faire une vente rapide. Voilà, donc là, je viens de perdre des cartes. C'est formidable. Objet, on a un gilet pare-balles qu'on peut acheter. Je pense que c'est sympa. Mais on a déjà ce qu'il faut. Ah, on peut faire un lance-pelle. Bon, les vêtements, on s'en fout. Les armes, on n'a rien débloqué, je pense. Bon, ça, on en trouve sans problème. Ah, tiens, le pistolet. C'est lequel que j'utilise? C'est celui-là? Est-ce qu'on peut mettre un silencieux, peut-être? Oui, on peut mettre un silencieux. Mais c'est quoi le mieux, en vrai? Bon, là, je dirais que celui-là, c'est le meilleur, là. Ouais. Allez. Ce sera déjà ça de prix. Et puis avec l'argent qui me reste sur l'arme du coup que j'ai là, non bon on va rien toucher. Ah si, peut-être un chargeur. Augmente le nombre de munitions. Vas-y, on achète. Voilà, bon, on n'a plus une thune, mais au moins on sera un peu mieux préparé. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Ça doit être une cascade. C'est ça. Je crois que c'est une cascade. Cascade. Ceux qui ont la ref. Ok, dans bah let's go. Le 10 mai 1971, let's go. On est là pour s'amuser ou pas? Ça va nous faire du bien après cette scène. Let's go. 3, 2. Ah, me suis enflammé dans le timing. 1, c'est parti. Let's go. Ah ouais, mais d'accord. Respecte-moi. On est là. On assiste à un formidable spectacle. Ah ouais. Et ouais. Genre là par exemple, j'ai failli mourir quoi. Hop. Ah, j'ai trouvé le frein à main. C'est un saut à l'aveugle qui conclut cette première portion du parcours. Oui, bah voilà, j'ai surtout roulé sur ma tête. Oh non. Oh non. Oh non. Quel échec. On est où? Ah bah c'est la merde. Ah bah c'est la merde. Putain, mais même ça j'arrive pas à faire, c'est ouf. Mais c'est débile. C'est complètement con. Même des trucs nuls, je suis nul. C'est ouf. C'est quand même ouf. J'abats les faibles, c'est mon fardeau. Mais Jacob. Allez go. 3, 4, 5, 12, 22, 30. Allez. N'oubliez pas le like. Encouragez-moi. Je suis en feu. Je suis chaud. Oh, allez, suce mes boules. À la bonne again. À tout moment, il risque l'accident. Oui, bah ça on a compris maintenant. Il s'en sort vraiment bien. Oui. Alors attends, là on fait gaffe parce que c'est traître. Voilà. C'est un saut à l'aveugle qui conclut cette première portion du parcours. Let's go. Quel incroyable atterrissage. Ouais, bah c'était pas un deuxième. Non mais c'est une plaisanterie là. Non mais c'est une plaisanterie. Oh, mais j'ai tout fait comme il fallait. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors je vais bien la refaire une deuxième fois, une troisième fois, pardon. Jamais 203, mais là j'ai pas compris là. Là j'ai pas compris. Allez go. Bon. Ah c'est bien. D'accord. J'allais dire c'est bien, il répète pas et tout, mais en fait si, donc Ah mais il y a des variantes à ces phrases. Pas mal. C'est un saut à l'aveugle qui conclut cette première portion du parcours. Il a réussi. Faut que je déploie le parachute peut-être. Dans le genre saut dans l'inconnu, en voici un magnifique une part bonheur. Oh, il y a eu un bug avant, c'est tout hein. Ok. Le parcours est à peine plus large que le quad. Plus large que mon cul. Voilà. Ta conduite doit être irréprochable. Bien sûr. Parfait. Ah. Et bien voilà. C'est bon. Heureusement c'est un 4 roues motrices hein. Ah c'est sympa ça. Oh là là. Oh là là. À la bonne again. Wouh. Ouais, je suis mort. Excellent. Alors j'ai franchement j'ai la chance pour avoir les bugs hein, comme vous pouvez le constater. Mais bon écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Donc c'est l'essentiel. Quadzilla terminé. Ça c'est fait. Et on gagne de l'argent. Et on a débloqué un jet ski. Et ça c'est cool. À moins que ce soit Et c'est pas vrai. Non mais il me lâchera pas hein. Il me lâchera pas lui hein. C'est pas vrai hein. Je suis traqué hein. Je vais les allumer. Vas-y essaye. Essaye pour voir. J'ai la cible dans ma visée. Alors on se sent nul hein. Eh vous savez ce que j'aimerais faire là? C'est voilà. C'est ça qu'il me faudrait. Et Et attendez, on va tenter un truc. Déjà, si on trouve le convoi d'hélicoptère, je vais essayer de leur foncer dedans pour voir. De toute façon, au point où on en est. Et on va voir si l'avion il me traque quand je suis en hélicoptère. Ça peut être marrant, ça. Ça peut être très marrant. Hélicoptère. Oh, j'ai un nouvel hélicoptère du coup, c'est vrai ça. Je sais plus c'est lequel que j'utilisais, mais bon, on va prendre celui-là du coup maintenant. Hop, hop. Voilà. Ça me semble plutôt pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'entends une musique. Oh non. Bon bah voilà. Tu dois avoir vraiment faim. Ouais. Tu savais qu'il faut 10 jours pour qu'une civilisation s'effondre. Ouais. Prive un homme de ses besoins de base et il reviendra à ses instincts primaires en 10 jours pile. C'est quelque chose d'incompréhensible tant qu'on ne l'a pas vécu. J'étais en Irak, en 91, dans la 82e fierté. Ah bah j'allais dire, ça se voit que c'était un militaire lui avant. Un collègue. Une nuit il y a eu... Sois pas débile. Une attaque. Avec un type Miller, on se retrouve séparés de l'unité. Pas de bouffe. Pas de radio. La seule base est à 200 bornes vers le sud, alors on se met à marcher. Elisabeth. Bon. Au bout de 3 jours, je sais qu'on est perdu. Le 6e, on se retrouve sans eau. Tu sais comment c'est, pas vrai? J'ai de la même gourde. Dur de déglutir. Le 7e jour, les jambes de Miller commencent à le lâcher. Tu savais que ton cerveau pouvait manger tes muscles pour essayer de survivre. C'est pour ça que t'es maigre comme un clou. Et au 8e jour,
Les loups se rapprochent de nous. J'ai regardé Miller et j'ai compris qu'on était foutus. Mais je l'ai accepté. Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert les yeux. Tu vois, c'est pas Miller que j'avais en face de moi. J'étais devant une opportunité. J'en avais pas vraiment envie. Mais j'étais obligé de le faire. C'était mon épreuve. Mais tu vois, le sacrifice de Miller... Pas la musique. Bon, vous avez vu le shérif corrompu à gauche là ? Putain. Tous des pourris ici. Les faibles peuvent être utiles. Allez. Très vite. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Et ben c'est reparti. Et à chaque épisode, il y a cette phase. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. On va finir le jeu dans combien de temps là, vous pensez ? Parce que. Allez, ça repart. Let's fucking go. C'est de la folie. On enchaîne. C'est de la folie. Hop, maintenant je connais par cœur et ça c'est bon ça. Hop. Tu dégages. Toi aussi tu dégages. Là on va être évidemment de plus en plus fort à force. Mais ça va être aussi de plus en plus compliqué et de plus en plus long également. Hop. Là il y en a un là, regardez, hop, voilà. On connaît les bails. Salut. Hop, par derrière. Sale faible. Salut les losers. Ah. Voilà. Ah. Comment ça, ça vient derrière? Voilà. Attends. Oh, j'ai une minute tellement je suis fort. Eh. Je suis tellement fort, mec. Ça va, je plaisante. Hop. Hop. Ah, on va passer par là pour changer, tiens. Salut. Ah, mais on était passé par là la toute première fois. Bien. Ah bah, les faibles. C'est déjà fini. Incroyable. Je suis de plus en plus fort. Ah non, c'est pas fini. Mais non. Oh, Philosine. Tous à plat ventre. J'adore cette phase. Vraiment, hein. Comme tu dis. Là il est en train de nous Oh non. Oh non, la honte. Oui, sacrifie les faibles. Oh là j'ai eu chaud Kiki là. Là j'ai eu chaud Kiki. Voilà. Bah je retire ce que j'ai dit sur toi. Rien que toi, rien que toi. Quel amour. Et moi, me laissez pas. Vous, vous êtes bien trop faible. Ah. Faut que tu sortes de là, avant que ça recommence. Suis-moi. Oh c'est bon ça. Et en plus j'étais en train de le trash talk. Juste avant je le trash talk et voilà qui me... Allô ? La routine, et il entre dans ta tête. Et tu t'en rends pas compte. Tu peux plus revenir, tu comprends? Tu dois surtout pas revenir. Allez, faut monter sur ce camion. C'est presque l'heure. J'ai bien étudié le tracé. C'est la seule issue. Tout ira bien, c'est... Il a filé. Venez. Non. Venez partout. Venez.
Non, non, pas maintenant. Pas déjà. Oh merde. Merde. Non. 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 Désolé. Ah bah il avait bien raison, franchement bravo à lui hein. Là le shérif corrompu qui a finalement Oh bon ça. Ah il fait une pause pipi. Vous m'entendez, c'est Ellie. Je sais pas trop où vous planquez. Mais putain on a vraiment réveillé un monstre. Je sais que vous êtes sûrement en train d'essayer de sauver votre copain Pratt. Mais les Wild Days aussi auraient besoin de votre aide. Enfin bref, vous savez où nous trouver. Non mais c'est pas vrai. Mais comment il fait pour me voir? Salut officier, je sais pas trop où tu te caches, mais tu devrais faire un tour au croisement, là où m'ont trouvé le Grill Streak avant. Ils ont un truc là-bas, faut vraiment que tu vois ça. Bon, j'ai tué une balle perdue malheureusement. Merci mille fois. Désolé hein. Comment la milice des Whitetails pourrait survivre sans son chef? Je pensais pas que ça allait tuer le civil derrière, mais bon bref, au moins j'en aurais sauvé un. Par contre... Oh c'est trop stylé. Je suis dans la merde. Pourquoi ils sont venus d'un coup là? Allez salut. Attends, on se les fait ou pas? On est là pour s'amuser. Oh non. Oh non. Allez salut. Démerdez-vous hein. C'est pas ma guerre. J'ai plus d'armes, j'ai plus rien. Laissez-moi. Laissez-moi. Oh non. Oh mon dieu. Il y a des ennemis partout. À la one again. Oh non. Oh putain. Allez. On se barre, ni vu ni connu. Alors là j'ai eu chaud au kiki hein. Alors là j'ai eu chaud au kiki. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. C'est absolument formidable. Bon par contre il y a un truc qui m'emmerde. C'est qu'on est traqué en fait. On est absolument traqué tout le temps. On n'a pas de moment de répit quoi. Alors on a Urk qui nous attend ici. Clutch Nixon. Mais attends Clutch c'est notre frérot là. Attendez. Clutch, on est d'accord que c'est celui qui nous a secouru là. C'est lui là. Je crois. Il y a trop de trucs à faire, c'est impressionnant. Hein. Par contre, ouais, on se fait capturer absolument tout le temps et c'est dingue. On a Sarah. Mission annexe. Bon, les missions annexes, ça c'est bon. Oui, bah en fait, tout ça c'est des missions annexes. Si je regarde, vous voyez, les missions annexes. Les avant-postes. Oh, on a fait 3 avant-postes déjà de la secte. Convoi armé. Trésor. Bon, mission de sauvetage. On va peut-être repartir sur des missions de sauvetage. Hein. On va aider Ellie parce que c'est sympa les missions de sauvetage. Et après, on pourra attaquer. Alors, non pas Folzen parce que c'est l'autre région. Mais on pourra peut-être faire la prison de Hope County. Bah, non, la prison de Hound County c'est également. C'est également dans l'autre zone là. Non? Ah bah ça se passe carrément dans l'autre région là. Dans la région de Face. Bon d'accord. Bon j'ai compris. Bon on pourra éventuellement se permettre de partir en vrille à un moment donné. Mais bon allez on va faire les missions de sauvetage. C'est plutôt bien les missions de sauvetage d'accord. Sachant qu'on en a libéré 13 sur 20. Allez on va se TP rapide. À la base, j'ai envie de dire, c'est notre petite base. Et on va faire les missions de sauvetage de notre copain, les amis. Bon, j'espère que vous appréciez cet épisode. Il est vraiment sympa également. Moi, je me régale. J'espère que vous aussi. Encore une fois, n'oubliez pas le like. Ça fait plaisir. Jamais je me permettrai de vous juger. J'attends que vous me rendiez la politesse. Ce qui compte le plus pour les Whitetails, c'est de buter Jacob.
Ah mais non, mais c'est... je dois aller là-bas. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Clutch Nixon, c'est ça? Mission de sauvetage. D'accord, il faut que j'aille là-bas. Ok, bah écoutez, on va faire un TP rapide, hein. Ah, j'avais pas compris. Je suis complètement débile ou quoi? Il y a un truc qui m'échappe. Bon, je m'en fous. Je vais aller là. Peu importe ce que ça va faire comme mission. On va aller là. Mais c'est vrai que j'ai du mal un peu à piger le bail. Bon, 400 mètres, on y va à pied. Hein. 400 mètres à pied. Ça use. 400 mètres dans le noir en plus. Ça fait peur quand même. C'est bien fait ça, si tu regardes dans le ciel. Tu vois la lumière et tout. Et hop. J'adore. Et bref, bon, on est plutôt pas mal parce qu'on a un pistolet silencieux en prime. Donc c'est cool. Alors toi mon coco, je t'ai vu, t'inquiète. Oh merde. Voilà. C'est bon ça. Non, le sniper silencieux c'est beaucoup trop important quoi. Je pense qu'on est tous d'accord. Alors l'arc c'est fun, mais on pourra en parler quand on aura un troisième emplacement. Alors. Ah oui, bah c'est, ça va se passer là-bas. Allons-y gaiement. Ah, on a une sœur. Salut madame, t'es qui? Nos éclaireurs ont trouvé un avion à Lansdown. Il nous reste plus qu'à contourner. Excuse-moi, ton chien est plus intéressant que toi. Non, vas-y. Nos éclaireurs ont trouvé un avion à Mais parle-moi, putain! Nos éclaireurs ont trouvé un avion à Lansdown. Il nous reste plus qu'à contourner en douce les guetteurs de Jacob. Tandis quoi? On aurait bien besoin de soutien aérien. D'accord! Merci pour cette info. Ah, pas vrai! Elle commence sa phrase et elle part. Complètement débile. Alors, oh là. Lui il est vénère. Il y a un vendeur d'armes juste à côté. Enfin bref. Mais non, mais putain, mais Clutch Nixon, mais. Mais Clutch Nixon, c'est les trucs de parcours en voiture. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais alors, comment je fais pour faire les missions de sauvetage? Ah, c'est libérer les gens de manière générale. Putain, le temps que je comprenne. Oh là là. D'accord. En fait, y a pas d'endroit à aller quoi. C'est. Donc en fait, les seules missions principales en réalité à faire, c'est d'aller dans la région de John pour faire le Fall's End, quoi. D'accord. Bon, déjà, on va s'occuper de lui. Là, on va s'amuser un petit peu. Alors là, regardez, on prend... Ah! Voilà. D'accord. D'accord. Et sinon concrètement tu... Mais qu'est-ce qui se passe là? Deux prédateurs qui s'attaquent, c'est rigolo ça. Oh non, elle est morte. Oh non. Oh non madame. Bon bah voilà. Mais je me suis fait arnaquer là hein. Pourquoi je suis venu là du coup? Je veux pas refaire une course moi, alors rien à péter hein. Rien à péter. T'as rien à faire ici frère. Par contre y'a un hydravion et ça c'est stylé. Il faut qu'on s'entraîne à voler avec un avion. Donc on va en profiter les amis pour cette fin d'épisode. Voilà, on va s'amuser un petit peu. On va voir comment ça se contrôle. Oh! Un poisson. Et comment on pilote? Oh, c'est pas vrai, je me fais arnaquer tout le temps. Ok. Alors, accélérer, c'est comme ça. Ah ouais, d'accord. Oh my god. Les commandes, elles sont pas logiques, hein, déjà, je vous dis. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un tonneau, vous pensez? Ah ouais. Pas mal.
Pas mal, pas mal. Bah écoutez les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Je regarde, il y a peut-être des gens à libérer là, qui sait. Si on arrive à avoir des gens à libérer, ce serait chouette. Là je vois rien. Enfin on voit pas grand chose, il fait nuit hein. C'est pas mal ça. On est où là? On est là. Il y a une cascade d'eau ici. Très bien. Oh! Salut, c'est Wade, au Fong Center. Les cinglés ont pris tous les animaux, mais je crois que Cheeseburger est toujours dans la nature. Une mission, on doit retrouver un ours? On va faire ça dans le prochain épisode. Salut, c'est Wade. Ok? On fait ça demain, 19h, les amis. Allez, n'oubliez pas le like. Plein de bisous, c'était Mkolo. Ciao tout le monde.